C'est quoi être soi? On se pose souvent cette question, c'est quoi le soi? Le soi, qu'est-ce qu'il est? Il est tout de ce qui est le plus sincère, le plus vrai, l'authentique. Il ne se raconte pas d'histoire. Il ne ment pas. Il est toujours présent avec ce qui se joue. Il n'invente pas. Il n'a pas d'image. Il n'espère pas. Il ne pense pas que demain sera mieux. La pensée, il l'utilise. Mais la pensée ne l'utilise pas. Il est présent et agit dans le monde avec harmonie. Ça, c'est la sincérité. Et pour être sincère maintenant, tu dois te rendre compte que la plupart d'entre nous, on est embrigadé dans des histoires que l'on se raconte. Et en fait, il n'y a plus le côté vrai qui est là. Il y a ce qui fut qui est là. En fait, on se raconte des histoires et ce sont des histoires qui viennent de nos vécus passés, de nos expériences, des conclusions que l'on a faites. Et en fait, on se le remémore et on croit que tout ça, c'est vrai. Parce qu'il y a une illusion qui te fait promettre quelque chose qui doit venir. Il y a quelque chose qui doit venir égayer l'atmosphère dans laquelle on vit. Donc à ce moment, on n'est plus sincère, on n'est plus authentique, on n'est plus dans le fait de ce qui est vivant. On est en train de se raconter des histoires de ce qui fut vivant. Et justement, être sincère, ça veut dire que tu ne te racontes pas d'histoire, que toutes les pensées qui sont dans ta tête, tu les laisses passer, tu ne t'enrôles pas avec elles, tu laisses ces choses être. Parce que si tu t'embarques dedans, tu ne seras plus ce que tu es. Tu seras ce que les pensées sont. Or, les pensées ne sont pas toi. Mais on s'est identifié à ces pensées. On dit je pense. Je pense que, je pense ceci, je pense cela. Donc tu t'es identifié à une pensée. Et tu l'as fait vivre en tant que toi-même. Et tout ça, ce n'est pas de la sincérité, ce n'est pas de l'authentique. L'authentique, c'est d'être là, présent, avec ce qu'il y a, pas avec ce que la pensée propose. Parce que dès que la pensée propose quelque chose, alors tu es dans l'enrôlement. Tu joues le rôle de ce que la pensée propose. Ça veut dire que ce que tu es n'est pas connu. Ce que tu es pour de vrai est mis de côté. Et en arrière-plan. En arrière-plan de l'image que tu te fais de toi. Tu te fais une image et c'est l'image que tu veux que l'autre voie. Parce que toute notre vie, on est en train de vouloir plaire pour ne pas perdre la faveur. Ce qui fait que l'on n'est pas sincère, c'est que on est dépendant de ce que l'autre propose, de ce que la vie propose. Et en fait, tout ce qui est proposé te donne du bien-être. Et si tu n'es pas sincère, ça veut dire que tu attends que quelque chose arrivera. Et quand tu attends, alors tu es prêt à vendre ta liberté pour un peu de plaisir qu'on te donne. Et ce plaisir, c'est corrompu par la dépendance. La sincérité est corrompue. Parce que dans la dépendance, il y a ce système de fausseté qui fait que
tu vas toujours vouloir faire plaisir pour garder ce qui est donné. Dans la dépendance, il y a un esprit qui est dans l'attente d'être choyé, d'être aimé, d'être celui que on adore, celui que on glorifie. Ça, c'est la dépendance. Et à ce moment-là, tu n'es pas ce que tu es. Tu es celui qui est glorifié, c'est-à-dire ce que les pensées veulent. Ce que les pensées veulent montrer que tu es. Et ça, c'est l'image de soi. Alors, tu n'es plus vrai, tu n'es pas sincère avec ta vraie nature. Tu n'es plus authentique. C'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme que d'être terriblement sincère avec lui-même. Avec ce qui est là, présent, avec les faits qui se jouent, sans essayer d'arranger les faits, sans essayer de construire quelque chose pour pouvoir s'évader des faits. On ne peut pas s'évader des faits. On peut croire qu'on s'évade, mais quand tu crois que tu t'évades, l'illusion te fait croire que c'est vrai. Mais tu ne peux pas t'évader. Parce que ce que tu es ne peut pas être fui. Ce que tu es est là. Et tu ne pourras pas changer cela. Mais il y a cette peur qui s'est installée depuis des décennies de croire que ce que la dépendance donne sera la chose la plus importante à gagner. Donc, on est prêt à se faire de la tracasserie pour pouvoir avoir ce qui est gratifiant, ce qui nous est donné, ce que l'autre peut pourvoir. Mais il n'y a rien qui soit donné qui est vrai. Parce que tout ce que tu es, l'authentique, l'intégrité, c'est déjà en toi. Et c'est ça qui est donné. Et c'est ça qui va vers l'extérieur, qui s'exprime de ton être le plus sincère. Et dans cette sincérité, tu peux voir que ce que tu es à ce moment-là, elle a une grande capacité de faire en sorte que la vie puisse être vécue sans heurts. Parce que tu n'es pas dans l'attente, tu ne seras pas frustré, tu ne seras pas insatisfait parce que tu attends des choses. Le tout, c'est de ne pas attendre, de ne pas mentir, de ne pas prétendre que tu es celui que tu n'es pas. Alors, la vie, elle sera autre chose. Être là, présent, avec ce qui se joue, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Sans rien ajouter à ce qui se joue. Sans rien vouloir d'autre. Alors il y a une grande plénitude. Et tu es cela. Tu es ce moment où il n'y a rien qui est fait pour vouloir arranger les choses. C'est la sincérité. C'est accepter ce que l'on est sans vouloir être ce que l'autre attend de toi.